Dafayomi dans Maseret Psachim aujourd'hui, Daf Kouvav. On va reprendre à Kouf et on va apprendre tous les Shemamina. On a vu une Braïta. Et de cette Braïta, on va apprendre 8 halakhot. Alors on va reprendre à partir de Shemamina mi hay matnitin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant la fin. On apprend de cette Mishnah, Tamné. On va prendre 8 halakhot. Alors, Shema Mina, on va prendre la première halakhot à Mavdil, Batefila, Tsariyesh et Avdil à la Kos. Combien même il a fait déjà l'Avdala dans la Tfila, il faut aussi qu'il refasse sur un vers. Oui. Alors, si vous voulez, regardez aussi dans le Rajbam, à partir d'en bas, et vous allez voir Shema Mina, Mavdil, Batefila. Alors, le Rashbam nous dit, le Rashbam, il est dans le tiers inférieur du Rashbam. Dekatane anichnas le beito bemotsai Shabbat. Puisqu'on a enseigné, celui qui rentre à la maison, motsai Shabbat, mavdil. Et alors, quel est le chidouche? Nous dit Rashbam, va falgav, des stam de adam, mavdilim betfila. En principe, les gens, ils ont déjà prié. Ils ont fait la avdala, tachonen, la damdat, ils l'ont déjà fait dans la tfila. Et aussi, après, ushmamina bracha teunakos. Quand on fait une bracha, il faut faire avec un kos. Quelle bracha, nous dit Rashbam? Le birkat Amazon. Après, ou shmamina, kos shel bracha tsarir shiur. On va apprendre aussi que le kos de la bracha, il a besoin d'une mesure. Oui. Et pourquoi on sait qu'il a une mesure? Parce que s'il n'y avait pas besoin de mesure, on aurait pu le partager en deux. Or, puisqu'on voit qu'on ne peut pas le partager en deux, ça veut dire certainement qu'il a une mesure, ça veut dire qu'il a un rivit, nous dit ici Rashbam. Ushmamina kos shel bracha tsarir shiur, revi'it log. Deilot emahari, parce que si tu dis pas comme ça, alors qu'est-ce que tu de tsarir shiur? Le chalke letre, on aurait pu le partager si on n'a pas besoin de qu'on en fait un petit peu pour le premier, un petit peu pour le deuxième. Ushmamina mevarer tsarir shiitom, celui qui fait la bracha, il a besoin de goûter. Nous dit Rashi, oh ou, le Rashbam nous dit, oh ou, oh echad minashomim. Et ou lui, ou l'un de ceux qui entendent. Ou bechtia echad mehem yatsu kulam. Et s'il y en a même un seul qui a bu, tous sont quittes. Kedamar be'iruvin beperek bekol ma'arvin, on l'a déjà vu dans Iruvin daf mem. De'amaratam livrich ale velin cheye ou meshane non amevarer tsarir shi'itom ve lidvelinka litil cheta kiravacha bar Yaakov et de'atel emisrach. Et alors, la shéla, elle est que quand nous on peut pas boire, est-ce que c'est bien de donner un petit? Eh! Il risque d'apprendre. C'est-à-dire, nous, on a trouvé un bon coup pour faire la bracha sans boire. Mais si on le donne à un enfant, alors peut-être après il va apprendre plus tard, chas v'shalom, à boire sans avdala. Alors Rashbam nous dit pour Kippour, ou ben Yom Kippourim Kai. Là-bas, si vous vous rappelez dans Psachi, dans Iruvin, c'était sur Yom Kippour. Ou Shmamina de Mevarer Tsarir Shi'itom Lechatrila. On apprend de là. Celui qui a fait la bracha, il devrait normalement goûter au départ. Bon, ça veut dire, on apprend que les khatrilas, c'est toujours mieux que celui qui a fait la bracha, c'est lui qui boive. Mais dans le cas où un autre a bu de l'assistance, ça va aussi. Mais on ne peut pas faire la bracha si on n'a pas un qui va goûter. Et bien maintenant, on va tenir que, effectivement, même si c'est un enfant qui l'a bu, ça va, c'est bien. Et c'est de là qu'on apprend qu'il faut goûter. Parce que si c'était pas comme ça, alors, boire un petit peu. Ouais. Ouais, il y a pas marqué ici que il faut que entre lui ou les autres, il est bu Rovkos ou Revit. Il n'y a pas marqué ça ici. C'est une autre halakha qu'on va voir plus loin. Là, ce qu'on veut dire, c'est que on peut pas faire la bracha sans avoir bu du vin. C'est impossible. Il faut l'echatrila, que ce soit le monsieur qui fait la bracha, qui boive le vin. Et sinon, un des teima, ça veut dire, regarde. Et ça veut dire boire un peu. Vim, ouais. Oui, nachon. Mais là, comme c'est une mitzvah
de faire le Birkat Hamazon sur le verre et de faire la Havdalah, alors ils ont voulu qu'il y ait un chiour. Detzarir Shiitom, Deilota Imle, Livrichalea Trezim, Havdalah Beshaata. Il avait qu'à faire Stam la Havdalah au moment de la Havdalah, sans boire. Et le Birkat Hamazon, au moment où il fait Birkat Hamazon, il boit. Ken. Il n'y a pas marqué Behemet. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait besoin d'un chiour. Alors le chiour, il est dans le verre déjà. Mistaber qu'il faut boire le chiour du verre, mais il n'y a pas marqué. Marqué qu'il faut que le verre, il ait une mesure. Alors, Ushmamina kos shel bracha, tsarir chiour. Le kos du bracha, il a besoin d'une mesure. Oui, et ça, c'est le chiour de Rivitalog, on a dit. Ushmamina mevarer tsarir chiitom. Ushmamina ta'amo pogamo. Mais attention, si quelqu'un d'autre a déjà bu, alors il l'a abîmé. Nous dit ici Rashi. Ça abîme. Pourquoi? Pour le Birkat Hamazon. Midelo mavdil berecha kodemarkila. Puisque tu vois qu'il va pas faire la Havdala avant de manger et de boire. Ou meshayer amotar le Birkat Hamazon. Donc s'il en reste, ça veut dire qu'il fallait qu'il soit entier. Il faut pas l'avoir bu avant. Ushmamina ta'am mavdil, on a appris aussi une autre chose, c'est que quand bien même il aurait mangé, ça le dispense pas de faire la Havdala. Souvent on se trompe là-dessus. On dit, oui, mais je vais pas faire la Havdala parce que je me suis trompé, j'ai oublié, j'ai déjà mangé. C'est un chiouv en soi, c'est pas quelque chose qui permet simplement de manger. Deikaleman da'amar lekaman ta'am eno mavdil, achal ugrasinan ta'am eno mekadesh. Ok? Et enfin, on passe à Paskouvav, Ushmamina omereshte gdushot al kosechad. Et tu vois aussi que, et on peut dire deux gdouchot, c'est-à-dire le Birkat Hamazon et la Havdala, sur le même verre. On parle dans le cas, nous dit Rashbam, où il n'avait qu'un seul verre. S'il a deux verres, Hazak, merci. S'il a deux verres, merci ma fille, c'est mieux. S'il a deux verres, c'est mieux, mais quand il a un seul, alors il peut le faire sur les deux. Oui, nous dit Rashbam, Echade, Letle et la Korsechad, dans le cas où il n'a qu'un seul verre, qui a comme maintenant. Afalgav de Amar Leel, ah, mais plus haut, il y a une couchée quand même. On a dit en omrim shtei gdushot al kos echad. Nous, alors, on a dit qu'on fait pas deux gdushot, c'est-à-dire Birkat Hamazon et Havdala, deux mitzvot, sur le même verre. Alors, on dit echad elet le shahane. Oui, mais quand il a pas, alors là, c'est différent. Kede matsri, kede betarsinan le'el, comme on avait déjà répondu en haut. Ou mashma mina bet shamay iv aliba de Rabbi Yehuda. Et la Gemara nous dit, tu sais, aussi tu verras que ça, tous ces enseignements-là, c'est Rabbi, c'est Bet Shammai, mais d'après la version de Rabbi Yehuda, comme il nous dit Rachid et Marléel, il avait dit d'abord on fait la lumière, oui, Borem et Oreach, après Bessamim, parce que d'après Bet Hillel, d'abord on faisait Bessamim et après on faisait Meoreach. Oui, alors, on fit vite ce passage dans le Rashbam, Valekalemima Rabbi Meir Valiba de Bet Hillel. Il y avait une autre possibilité logique, on aurait pu dire, c'est Rabbi Meir d'après Bet Hillel, qui est Marléel, ou Bethilel Omrim, Ner, ou Bessamim, Mazon, Vavdala. Et on avait dit, d'après Bethilel, pour Rabbi Meir, on faisait le Ner, Meoreaesh, Bessamim, Borimine Bessamim, Mazon, Birkat Amazon, Vavdala. Vane Rava, Zoudivre Rabbi Meir, ou. Alors, il avait dit Rava à l'époque, ça c'était les paroles de Rabbi Meir. De Rinami Pachinan, Bebrachot, Beperek, Ludvarim, ou Meshane. Et on avait répondu là-bas à l'époque, non, on ne pense pas ça. L'osalkadater, Minekatane, ou Meshal Shelan, Lachar Amazon. Et il a dit non, parce qu'il va les faire en Pâques, et il va les mettre tout ensemble après le Birkat. Man shamatle de Hitler Haizvara de Mazon Berisha. Or maintenant c'est facile. Qui est-ce qui dit Birkat Hamazon en premier? C'est Rabbi Yehuda. Kedamar le'el, Rabbi Yehuda Omer, lo nichleku bet shamay ou bet hillel Amazon chez Betrila. Lui il avait dit non, non, non. Tout le monde est d'accord aussi bien bet shamay que bet hillel qu'on fait d'abord Birkat Hamazon. Et Avdala qui à la fin, toute l'histoire elle était sur les intermédiaires entre Ner et Bessamim. Alma Rabbi Yehuda hi valiba de bet shamay. Donc voilà, Rashbam il a longuement démontré, c'est cette Mishnah, c'est Bet Shammai, expliqué d'après Rabbi Yehuda. Deilu le Rabbi Meir, mitanala meshal shelan lachar Amazon, del lide or berecha. C'est pas possible que ça soit Bet Hillel avec Rabbi Meir, parce qu'on a enseigné pour lui que c'était pas possible de faire les trois à la fin. Ben le Bet Shammai, Bet le Bet Hillel, ou Velo Amazon, qui est d'Amar Leel, Zoudivre Rabbi Meir. Alors la Gemara continue, et elle nous a dit aussi, Ravashi Amar Ta'amo Pagmo. Ravashi, il a dit, s'il a goûté déjà, si le verre a déjà été utilisé, Pagmo, il l'a abîmé, il le rend invalide pour faire la bracha du Birkat Hamazon. Vekoshel bracha tsarir shiur. Et aussi, on a dit que le kos de la bracha, il avait besoin d'une mesure. Bah, Chadam il taille.
L'Agma a dit, ben, tu m'excuses, c'est un peu la même chose, regarde. Quand tu dis qu'il faut une mesure, et quand tu dis que s'il a déjà bu, oui, c'est pas bon, au début, l'Agma, elle comprend, ben oui, pourquoi c'est pas bon s'il a déjà goûté? Parce qu'il a pris un petit peu de la mesure initiale, donc il manque, donc il n'y a pas la mesure. Alors l'Agma, elle nous dit, Vehikama, Maïtama, Tamo, Pagamo, pourquoi est-ce que si il a goûté, il a abîmé, Mishum de Kosel Brachat Sarir Shiur? Il dit, mais parce que il faut une mesure. Maintenant il y a une question. Hein? Si on réfléchit ensemble, on imagine le cas où la mesure elle est juste du jus. Ça veut dire il a juste un révit. Donc il a pas plus qu'un révit. D'accord. Alors maintenant, n'ayant pas plus qu'un révit, si il a goûté, ouais, donc il a enlevé le cours. Il a enlevé la mesure. Vous avez compris comment ça marche? La Gemara, elle a dit, la Braïta, elle a dit deux. La Gemara, elle a appris deux choses différentes. Si on a pris le verre et quelqu'un a bu, on ne peut pas refaire. Il faut un verre neuf. Mais on a dit aussi, il faut une certaine quantité. Alors, au début, la Gemara, elle dit normal. Il y avait la certaine quantité. Quelqu'un a bu. Il a fait un ré. Maintenant, il y a un ré vite, moins ce qu'il a bu. Donc, c'est pareil. Alors, c'est ce que la Gemara, elle dit ici. L'Ikhora, ce n'est pas deux raisons différentes, mais c'est une seule et même raison. Mais en fait, si on réfléchit un petit peu ensemble, on va voir que non. Imaginons que quelqu'un ait pris un grand verre comme ça. Dedans, il y a quatre révites. Et il a bu, même s'il a bu un demi-révite, dans la mesure du verre, il reste encore plein. Donc le fait que quelqu'un ait goûté, ou le fait qu'il faut une mesure, il aura ces deux raisons. Il aura ces deux raisons, même différentes. Alors la Gemara, elle va continuer. Oui. Mishum de koshel bracha tsarishu, Rabbi Yaakov Baridi, kapid a chatseva pegima. Alors Rabbi Yaakov, il était sévère même sur chatseva et peguma. Rashbam nous dit ici, c'est la première ligne des grandes lignes. Tsarishu aval iavet fe mikeshiur vetamolok pagmo. Oh, si on avait fait un grand verre de vin, dans lequel il y a déjà plus qu'un révit, eh bien, si quelqu'un a bu, c'est pas grave, il en reste au niveau de la mesure. Kapida kasab lima le kiddush le avdala ou le birkat amazon ou le kol brachot shetiknu le sadran al yain shelo yivarer al kos pagum aval im rotze lishtot yain tsarir levarer bore peri agefen shasur lehenot min haolam hazeh belo bracha. Il dit, ah, mais maintenant on s'oppose deux choses. S'il veut boire sans faire la bracha, il peut pas, parce que assour, c'est interdit de profiter de ce monde-là sans bracha. Umiu imein lo ela yain pagum, mekadesh alav de kapid lechatrila mashma. Oh, alors maintenant, ça c'est une halakha extraordinaire. Quelqu'un avait préparé le verre pour la Havdalah. Un bon verre pour la Havdalah. Il va pour faire la Havdalah, et quelqu'un lui dit, ah, mais un tel invité, il a bu un petit peu dedans. Aïe, 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 on a dit qu'il est pagoum, c'est kos pagoum. Kos pagoum, on a dit on ne peut pas faire la bracha. Rashbam, il dit une grande halakha. Si t'as rien d'autre, si c'est chatatrak, tu peux. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on est makpid sur un verre qui n'a pas été goûté, c'est l'echatrila. Mais si on est béchatatrak, alors on peut le faire. Mais Anien, comme il dit comme halakha. D'après ça, hein, si quelqu'un fait les shéva brachot, fait les kiddushin et les shéva brachot, alors, il a pris déjà le verre pour la bracha des Kiddushin. Cherki deshanu, et à la harayot, vasalanu et à roussot, tu étais la note nesuot la nou, alliés des choupas avec Kiddushin. Alors, d'après ça, il a déjà bu du verre. Maintenant, il faut le verre des shéva brachot. Il n'y a pas d'autre verre. Il n'y a pas d'autre vin. La salle, elle n'a pas préparé d'autre vin. Voilà, maintenant il y a Kos Pagoum. Alors quoi, il ne va pas faire les Shéva Brachot. D'après le Rashbam ici, s'il n'y a rien d'autre, c'est bon. Magnien, hein? Alors on voit qu'un maître, il était Makpid, non pas sur le verre, mais aussi. Oui. Il arrange en fait. Oui, mais là, il n'a pas de vin. Il avait, tu comprends le cas? Il avait fait un grand verre pour la bracha des Hiroussin. Il a bu. Maintenant, il fait les Kiddushin, il lise la Ketouva, le Talit, et maintenant c'est les Shéva Brachot. Où est le pinard? Il n'y a pas de pinard. C'est pas bon uniquement quand il n'a pas de vin pour remplir, quand
Oui, mais là, on parle qu'il n'a pas de vin pour remplir. Et là, on te dit un chidouche. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas pas faire shéra brachot? Oui, tu fais les shéra brachot. Ah, le kos, il est pas goum. Normalement, c'est pas bon. On a dit pour toutes les brachot qu'on a fait sur un kos, c'est pas bon. Les shéra brachot, on les a fait aussi sur un kos. Elle dit qu'on ne peut pas faire autrement. Hein? Alors pas goum, c'est un problème que les khatri, la pas bédiavad. Alors, on voit un maître que lui, il était makpid, non seulement sur le verre, mais même sur la cruche. Oui, tu vois ici, lui, il était afilou à chavita, chaviot ktanot, c'est-à-dire la petite cruche avec laquelle on va servir le vin. Aval im chavit shel etz gdola, en lakpid, deuxième coula qui nous dit le Rashbam. Maintenant, quelqu'un est venu et il a fait une dégustation dans la barrique de 100 litres. Nous, à la Bémet, elle est plus bonne cette barrique pour faire aucune bracha. Alors là aussi, vous voyez, le Rashbam, il est Mekel. Alors, on continue la Gemara. Alors, on a vu un, il était Marbaravashi, Kapidafilou, Achavita, Bgimta. Et donc, on a vu trois Chumrot, une sur le vin, une sur le verre, une sur la cruche, et même une sur la barrique. Tanu Rabbanan, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, Zochruhu alayayin. Quand il y a marqué dans la Torah, Zachor, oui, et Yom HaShabbat le Kadesho, rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier, c'est-à-dire les maasé, Zochruhu alayayin. Fais-le sur la base d'un verre de vin. En li ela beyom, ok, ça c'est beyom, aval balayla minayin, Talmud Lomar, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, oui, balayla minayin. La Gemara dit, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Alors, la Gemara demande, alors il y a marqué Yom maintenant. Alors, Balaïla Minaïn, alors d'où c'est la nuit? La Gemara dit, mais non, pas du tout. Adraba, le vrai Kiddush, on a déjà vu, c'est celui de la nuit. Adraba, Ikar, Kiddush, Balaïla ou Kaddish. Dechi Kaddish, Trilat, Yoma, bah il est Kiddushé. Parce que quand il fait le Kiddush, il faut qu'il consacre le début du jour, le jour qui arrive, c'est-à-dire vendredi soir. Vetu Balaïla Minaïn. Alors, la Gemara demande encore, et alors la nuit, d'où le sait-on? Talmud Lamor, Talmud Lomar, Zachor et Yom. Oh, Shalom Ayala, Shalom, Shalom Tamar, Yitrot, Shalom, Shalom, Shavua Tov. Et alors, Tana, Miader Alaila, Vekanasiv Lekra de Yemama. Il dit, ben, je comprends plus rien. Le Tana, lui, ce qu'il veut enseigner, c'est le Kiddush de la nuit. Et il amène un passouk qui parle du jour. Alors, la Gemara, elle corrige, elle dit, Achikama. Voilà comment il a voulu dire en vérité. Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho. Rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Égal, Zochruhu alayain beknisato. Égal, consacre-le et dis une bracha à son sujet en se rappelant de Shabbat sur le vin à l'entrée de Shabbat, vendredi soir. Enli la belaïla bayom minayin. Maintenant, je ne savais que le kiddush de la nuit, je n'ai pas encore appris le kiddush du jour. Alors là, Talmud Lomar, c'est ce que vient nous dire le passage, Zachor et Yom HaShabbat. Il y a un ribouï. Bayom. Alors la Gemara, elle demande, ok, mais maintenant Bayom. Maïmedarer. Et qu'est-ce qu'il fait? Et oui, qu'est-ce qu'il fait comme bracha le jour? Amar Rav Yehuda, Boré Peri HaGefen. Rav Yehuda, il dit, ben, c'est facile, le kiddush du matin, c'est Boré Peri HaGefen et c'est tout. Ravashi, Ikla, les Mechouza. Ravashi, une fois, il s'est retrouvé, à l'endroit où il y avait des Juifs de Babel, il y avait la Bain Yeshiva, c'est Mechouza. On a beaucoup parlé sur les gens de Merkouza, les femmes de Merkouza avaient roulé. Amrou, les Ligdish, Lanmar, Kiddusha Rabba. Alors qu'il nous fasse, que le maître nous fasse Kiddusha Rabba. Alors ça, c'est un passage très important dans le Talmud. Il se demande, Valmazé Kiddusha Rabba. Kiddusha Rabba, c'est Boré Peri HaGefen. Pourquoi il appelle Kiddusha Rabba? Oui, Havoulé, il lui a apporté. Savar Mainihu, Kiddusha Rabba. Il s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est donc bien le Kiddusha Rabba? Amar Mirde, kol ha brachot kulan boré peri hagefen, amré bereisha. Il dit, regarde, toutes les brachot, on fait toujours le boré peri hagefen au début. Azamar boré peri hagefen, ve agid ba chazier la usaba, de gachin ve chate, kari anavshe achacham enav berosho. Alors il a vu là-bas une scène avec un vieux, et il a dit, eh ben, dis donc, le chacham, lui, il voit les choses à l'avance. Alors on reprend avec Rashbam ce passage-là. On est maintenant au milieu des moyennes lignes dans le Rashbam. Et on a vu ici Tanoura Banan.
Zahor et Yom HaShabbat le Kadesh, Ozorhu ala Yahin, en li el Abayom, Balaila Minain, Talmud Lomar, Zahor et Yom HaShabbat, Balaila Minain, Adraba Ikar Kedusha Balaila, Hu, Dechi Kadesh Yom HaBaile Kidushé, Vetu Balaila Minain, Talmud Lomar, Zahor et Yom HaShabbat, Tana Meader Aliba, Alaila, Venasivla, Kra Ali Emama, Achika Amar, Zahor et Yom HaShabbat, et les Kadesho, Zahou, la Yahin, Bekinetsato, Venli, Velaila, Vekoule. Qu'est-ce qu'a fait le Rashbam? Il a relu toute la Gemara, parce qu'il canirait, devait avoir une girsa, hein, peut-être. Alors, les Kadesho, Mashma, Besha'a, Shemit, Kadesh, Ayom. Alors là, Rashbam, il dit, comment elle est l'étude? Elle est que vraisemblablement, la mitzvah de dire le Kiddush, il est au moment où le jour il se consacre. Donc c'est le début, ça veut dire maman, c'est le kidouche de quand on rentre de la choude. En li la bayom, ou le kaban parir adraba ikar kidoucha balaïla ou kidouchato. Achika, marfalgav, den le faresh la shon hachinoui bebraïta beignanze. El aliede chanou mesarsim oto le mafrea. Alors, Rashbam il dit, nahon, la braïta elle est étonnante, on n'explique pas dans les mots vraiment. Lo shayach le mima chassou le mersera, chare en chasser mimena kloum. Et là, chez Shinuya, les mafrères, des bimkom, chez El Olomar, Enli et la Belaïla, Bayom Minaïn, Ta'atana, Beshmoato, Veshana, Enli et la Bayom, Belaïla Minaïn. Alors, Rashbam, il nous dit, tu vois, c'est une Mishnah qu'il faut compléter. Mais c'est pas qu'on complète comme d'habitude quand on dit Chassouré Mersera. Chassouré Mersera, c'est que le Tana, il a dit incomplète, pour après mieux la compléter. D'accord? Mais ici, c'est pas comme ça. Ça a été dit, mais au lieu de dire Bayom Minaïn, il a dit Balaïla Minaïn. Il a interverti entre Bayom et Balaïla. Il carlo shayar mimach asore mersera. Bayom maim mevarer. Deya marta hakidush miresha. Vatania shabbat veyom tov en baim kedusha lakos. On a dit que dans la bracha du jour, du matin, il n'y a pas de kidush. Égal, il n'y a pas de kiddush comme la nuit où on dit Asher Kideshanou, Beverat Savanou, Verkoulé. On ne dit pas ça. Alors donc on dit que Agefen. Amar Rav Yehuda Borepere Agefen. Et Ataya Kassa de Chamra, ou Baruché ou Mishte, Mishum Kavod Shabbat, le Chalek ben Midat Shabbat, le Midat Chol, Sheou Inyan, Shir, Shen Omrim Shira, Elayahin, Vachim Efaresh, Beshelta de Ravachai, Beparashat Vaishma Yitro. Il dit, en fait, on a besoin de prendre 30 secondes pour expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il a fait Boré Péré à Geffen. Il dit oui, c'est bien, c'est un kavod Shabbat. Parce que prendre un verre et dire Boré Péré à Geffen le Shabbat, c'est une manière de différencier le Shabbat de la semaine. Donc voilà le Kiddush. Mais il nous reste à expliquer, mais alors pourquoi il appelait Kiddusha Rabba? Kiddusha Rabba, c'est étonnant Kiddusha Rabba. Kiddusha Rabba, Boré Péré à Geffen. Vous voyez, Kiddusha Rabba, on va l'appeler Boré Péré Geffen. Vekeri le Kiddusha Rabba, de Akuleu Kiddushe Kamrele. Alors il dit, on l'appelle Kiddusha Rabba, parce que c'est sur tous les Kaddish, tous les Kiddush. Lokol Kareventi et Mao Merpo. Les Chora, c'est comme un Kiddusha Rabba. C'est qu'il est grand, mais il n'est pas très grand. On fait dessus Boré Péré Adama, Boré Péré et Geffen. Alors, il manque quand même, Naron. Alors, Rashbam, on dirait qu'il explique. On l'appelle Kiddusha Rabba. D'Akuleu Kiddushe Kamrele. En fait, il veut parler de tous les Kiddushim réunis. Au contraire, il est petit. Bon. Alors. Ken, il est un tronc, il est une base commune, il est le... Ouais. Nachon, c'est la base de tous les kiddush, Nachon. Nachon. Mais en tout cas, il est beaucoup plus petit que le kiddush du soir, en tout cas. Ouais. Hein? Mais c'est quoi l'essentiel du kiddush du soir? C'est quand même Péri Agéphène. Non. L'essentiel du kiddush du soir, c'est de mentionner Shabbat. Et les Chachamim, le kiddush, il est de Roïta. Et les Chachamim, ils ont institué sur le Kos. Donc, au contraire, le côté Agefen, c'est la Takana des Rabonen de dire des mots sur le Kiddush. Tandis que le matin, il dit aucun mot sur le Kiddush. D'ailleurs, entre nous, c'est pour ça qu'on a tellement rajouté par la suite de Psukim. C'est pour le gonfler un peu, pour ramener des Psukim de Mizmor et
Veshameru bene Israël, Alken Berach, Hashem et Yom Shabbat, Vikadeh, ou. On a rajouté plusieurs choses pour que, dans la coutume, on ramène. Mais en fait, il est court. Alors, il faut expliquer. Gam, mais alors, on n'avait pas vu celui-là. C'est marqué dans le kiddush du soir qu'on peut faire avec le pain. C'est marqué dans la vdala qu'on ne peut pas faire avec le pain. Et le Boré Péri HaGefen du matin, hein, on n'a pas encore vu marqué. On sait, mais on n'a pas encore vu marqué. Alors, pourquoi il a dit Amar Rav Yehuda Boré Péri HaGefen, on a vu ce Rajbam, Kiddusha Rabba, on l'a vu, Ve'agid be, et Rirbo, la da'at im isharev, echad me'em lishtot, ou bekar yavin de Boré Péri HaGefen, regilim lomar vetulo. Shem Ken, Aya Omer Lo Le Kadesh, Kiddush Gadol, Shel Laila, Keminagam. Alors, lui, regardez comment c'était l'histoire. On lui a dit, tu vas faire der grosse Kiddush. Donc, ça veut dire, il s'est demandé, peut-être cela, hein? Oui, dans cet endroit-là, le Kiddush du soir, ils le disent le matin. Donc, il arrive, il met les pieds sur des œufs. Lui, il sait ce qu'il doit faire, mais il t'arrive dans une communauté, dans une ville, tu ne sais pas comment ils font. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté longuement le Boré Péri HaGefen pour regarder s'il n'y avait pas quelqu'un qui intervenait et qui allait dire la bracha longue comme celle du soir. Et quand il a vu que non, il a compris qu'en fait, il faisait que HaGefen et que quand il disait Kiddush HaRabbah, c'était une expression, mais en fait, c'était aussi que HaGefen. Donc, en fait, il a fait un manuel de savoir-vivre. Comment on arrive, quand on arrive chez des gens qui ont une autre coutume et qu'on ne sait pas, comment on fait pour ne pas mettre les pieds dans le plat? Vous voyez comment il a fait? Revenez, on relit le Rajbam. Ve'agid be, il est resté attaché à ça, il a dit, c'est-à-dire, Erichbo, il a fait traîner la date, imis harev echad me'em lishtot, pour voir si quelqu'un va commencer à boire. Ou bekar yavin de boré péri hagefen regilim lomar vetulo. Parce que quand il aura fini son hagefen, s'il voit quelqu'un qui commence à boire, ça veut dire qu'il sait que dans ce pays-là, c'est comme ça qu'on fait le kiddush et pas plus. Parce que sinon, personne n'aurait bu. Et chez Imloken, et Aya Omer lo, le Kadesh kiddush gadol, shel laila keminagam. Sinon, il aurait dit de lire le grand kiddush comme le soir, comme ils avaient l'habitude. Alors, très bien. Et alors, Kari Anafshe, il a dit sur lui, Achacham Enaf Berosho. C'est-à-dire que le Chacham, il est Chacham et il sait voir les choses à l'avance. Il y a des cas comme ça, on arrive quelque part, on ne sait pas comment ils font. Une fois, il y a un, il arrivait chez des Yéménites, chez des Thémanim. Et c'était la choule du Rav Kapar. Ils font tout, tout, tout comme le Rambam. Et on lui a dit, Agbo'o. Elle a fait Agba'a. Sauf que qu'est-ce qu'il voit sur la table? Il voit des parchemins pliés dans un foulard. Il n'y a pas les bois qui le tiennent. Alors, comment on fait Agba'a? Alors, on vous propose Agba'a. Alors, celui qui est intelligent, il met un peu de temps à arriver, il regarde, il va capter des indices pour voir comment les gens y font. Et si tu ne sais pas comment on fait. Okay. Alors, il faut trouver un cas. Achachamena Amrei Bene Rabihia. Michelo Ivdil Bemotsai Shabbat, celui qui n'a pas fait Avdala Motsai Shabbat, Mavdil Veoler Bechol Shabbat Kulo, il peut aller toute la semaine. Et tout de suite, la Gemara, elle précise, Vat Kama, Amara Bezera, Adrevi Be Shabbat, c'est-à-dire jusqu'à mardi après-midi, on ne peut faire l'Avdala si on ne l'a pas fait. Qui a des yatives Rabbi Zera kam eder Ravasi. Comme une fois il y avait Rabbi Zera, il était assis devant Ravasi. Ravasi kam eder Rabbi Yohanan. Certains disent non, c'est pas Rabbi Zera devant Ravasi, mais c'est Ravasi devant Rabbi Yohanan. Yative kam a l'inyan gitin. Alors il a dit, regarde, on va expliquer maintenant. Oui, mais Révi, ça veut dire pas inclus. Donc ça veut dire que quand ça arrive mercredi, que la nuit de mercredi, qui est mardi soir, ouais, tu rentres dans mercredi. C'est pour ça que je te dis jusqu'à mercredi après-midi. Alors on a dit pareil, l'inyan gitin, chad be shabta, tre vetlat batar shabta, arba vechamisha, umale yoma, kame shabta. Alors on va distinguer comme ça.
La semaine, on va la distinguer comme ça, une moitié de semaine, elle suit le Shabbat précédent, et une moitié de semaine, elle va vers le Shabbat suivant. Alors nous dit ici le Rashbam, et le Rashbam nous dit, Adrevi Beshabta, Veload Bichlal. Tu vois, Rashbam, il répond à ta question, Gabi, il dit, mais pas inclus. Oui. Aval mirevi velar, gabé shabbat abba il est considéré, il est mitrachev d'après la semaine suivante. L'inyan gitin, imamar la areze giter almenat, chetitni li, et mataim zuz, achar a shabbat. O almenat, chetitnim li, kodem a shabbat. Alors pareil, maintenant dans les gitines, il se peut que l'homme il ait fait une condition. Bon, aujourd'hui on n'aime pas les conditions dans les gitines, mais dans la Gemara on voit que ça marche. Et il a dit, ça sera ton guet, mais à condition que tu me donnes tant d'argent après Shabbat ou avant Shabbat. Alors après Shabbat, ça veut dire jusqu'à mardi après-midi. Et avant Shabbat, ça veut dire de mercredi à Erev Shabbat. Et très bien, Hazak, alors on a fait ce petit passage-là. Amarav Yaakov Baridi, aval lo ala or, mais attention, qu'il fasse pas la bracha sur la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Imlobirer al ner boré meoréa esh, bemotsaï Shabbat, shuv eno mevarer, kar nireli ta madava. Alors, bien que la Havdalah, il faut qu'il fasse la bracha, mais est-ce qu'il faut faire une Havdalah complète? Il dit non, pas les Nérotes, non, pas meoréa esh. Et il me semble que la raison, elle en est, comme on va voir dans Makom Shenaagu, on l'a vu un peu plus haut, Daf Nun Dalet, Amud Alef. En mevachim bo ela belail motsei Shabbat, o il vetrilat briato. Le ner, c'est-à-dire la lumière et le feu, on le mentionne que quand ça a été, comme on m'a assez bereshit, et c'est apparu motsei Shabbat. C'est pas apparu après. Donc, celle-là, on ne peut pas la faire après. Alors, on continue. Amarav Bouna, Amarav, on tourne la page. Anotel Yadav, celui qui fait Netilat Yadaim. Loïkadesh, c'est pas lui qui a fait Netilat Yadayim qui doit faire le kiddush. Oui. Azamar Lehu, Ravitzrak Bar Shmuel Bar Marta, Akatil Onach Nafshe de Rav, Shachar Ninuhu Lishmaate. Et dit, il n'est pas déjà parti Rav qu'on commence déjà à oublier ses enseignements. Zimnim Sagyan Ava Kamina Kame de Rav, nombreuses fois je l'ai dit devant Rav, Zimnim de Chaviva Ale Rivta, Mekadesh Arivta, il a dit, voilà, parfois il peut être que le pain, il est préférable au vin, alors il fait le kiddush sur le pain. Zimnim de Chaviva Le Hamra, Mekadesh Achamra, alors là on voit une halakha encore plus étonnante, c'est que l'Ikhora, le pain et le vin, c'est selon ce que l'homme préfère. Nous, ce qu'on connaît, c'est que quand il n'y a pas de vin, alors on peut prendre le pain. Pas pour l'Avdala, mais pour le Kiddush. Et là, il dit non. Il dit, ça dépend ce qu'il aime. Alors, Rajbam, il nous dit ici, Natalia Dav Loïkadesh. Lui, celui qui a fait Netilat, c'est pas lui qui fait Kiddush. Et là, Acher Ikadesh. Vehu Yotse Yedechovato Beshmia. Pourquoi? C'est pas celui qui fait le kiddush qui va boire. C'est un autre. Et tu vas me dire, il n'y aurait pas un problème d'oubli là, de déconcentration? Il dit non. Il est quitte de son obligation en entendant et en buvant. Parce qu'il n'a pas détaché son esprit de l'autre. Mais Achar Sheu Atzmo Eno Mevarer. Avalu Atzmo Lo Yikadesh Im Natal Yadav. S'il a fait Netilat Yadayim, c'est mieux que ce soit un autre qui fasse. Pourquoi? Comme ça, il va pouvoir manger. Et d'après le Netilat Yadayim qu'il a fait avant le Kiddush, des Kiddush mafsik ben Netilat le Achila. Parce que voilà la question. Ça, c'est une interruption quand même, le Kiddush entre le Netilat Yadayim et le manger. D'habitude, on ne parle pas entre Netilat et manger. Donc, s'il fait le Kiddush, c'est un peu une interruption. Ouais, mais donc faut pas faire que ce soit le même les deux. Va'avec esi ahadat ou ba'en etilah harite batar kiddusha de tekef le netilat yadayim seuda. Et alors à la limite pratiquement il faudrait même qu'il refasse un netilat yadayim s'il a trop traîné au milieu. Et pourquoi? Parce qu'on a une halakha. Tekef le netilat yadayim seuda. Juste après le netilat yadayim il y a la seuda. Ou bishvil kiddush lo ba'en etilah.
Maintenant, pour le kiddush, c'est connu, il n'y a pas besoin de faire Netilat avant le kiddush à l'hôtel. Yadav les perot, arezemigasé arwar. On a vu cette Gemara. Celui qui se lave ostensiblement les mains pour les fruits, il montre qu'il fait partie des orgueilleux, il n'y a pas besoin de faire. Olalo. Et nous apprenons de là que le Netilat Yadaim qu'il aura fait avant le kiddush ne lui sert pas. Les fichar ikadesh trila, voilà la meilleure méthode. Il fait d'abord kiddush, v'acharkar notel yadav. Après, il fait netilat yadaim, v'kol sheken shanotel yadav lo yavdil. Et à plus forte raison que s'il a fait netilat yadaim, qu'il ne fasse pas une avdala, hein. D'afilu kiddush de bimkom seudahu, v'ikale memar de l'ekal siyardat. Regarde. Déjà le kiddush, ou bemet il fait la seuda pour pouvoir, mamash, manger. Et il n'y a pas tellement de concentration. Malgré tout, Afiluachi, Enyachol, Ismoch, Al Netilat, Shelifna, Kiddush, il ne peut pas s'appuyer sur le Netilat qu'on fait avant le Kiddush pour avoir le droit de manger. Avedeka Amar Natal, Loïkadesh, Velo Amar Mekadesh, Vechoser, Venotel, Yadav. Maintenant, une petite question que le Rashbam a adorée. D'après le Rashbam, après cette ligne de la Gemara, on ne peut pas faire comme on faisait parfois en France, le Netilat. Et qui douche et motzi. Des fois, on fait. Alors, d'après ça, le Rajbam, il dit non. C'est, à la limite, il faudrait même un deuxième netilat après. C'est pas bien. Aïnou meshum de l'obainan netilat yadaim trezimne de achadam inayou bracha levatala. Maintenant, attention, celui qui voudrait faire deux fois le netilat et il se retrouverait avec une bracha levatala. Il karlo ikadesh ou aval chavero ikadesh lo. Voilà à cause de toutes ces belles raisons. Voilà pourquoi c'est mieux qu'il y en ait un qui fait netilat, un qui fait le kiddush et pas que ce soit le même. Comme ça, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de serhadat. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le Rashbam suivant? Comment? De faire le. Non, en général, non, mais nous, c'est parce qu'on le fait dans l'ordre. On fait kiddush, netilat et motsi. Mais là, on parle qu'il a fait netilat. Les Ashkenazim font ouais. Netilat. Okay. Netilat. Netilat. Ouais, lesquels? C'est comme ça qu'on fait. Alors, netilat. Mais on l'a gardé dans certains cas. On l'a gardé dans certains cas, mais les khatrila, c'est mieux, ici, de la Gemara, de faire kiddush. Netilat et motzi. Alors, des chaviva les rifta. Alors maintenant, on explique. Quand le pain lui était cher, shayarev, il avait faim. Alors quand est-ce comment il fait le kiddush? Mais kadesh arifta, alma lobaye netina harite. Donc tu vois que tu n'as pas besoin de faire un deuxième netilat yadaim. Oui. Et là, meikara machayade. Donc tu vois qu'au départ, il faisait netilat yadaim. Après, il mangeait le pain du kiddush. Alma kiddush lachar netila lo chashiv esiyahadat nu nananer. Tu vois que de faire le kiddush après le netilat yadaim, c'est pas une interruption, c'est pas une déconcentration. Vechen ilcheta de mishenatal yadav kodem kiddush. Parce que celui, alors voilà, le Rashbam va rapporter un cas. Celui qui aurait fait netilat yadaim avant kiddush, en sarir larzor velitla nachar kiddush. Voilà une belle lafkamina. Par lequel il s'est trompé, il est peut-être un peu en l'air. Il a fait Netilat et maintenant il a fait Kiddush. On ne va pas l'obliger à refaire un deuxième Netilat en disant que c'est une interruption, une déconcentration. Pas du tout. Il continue comme ça. Vechenin cheta, de mishenatal yadav kodem Kiddush, en sarir larzor velitlan achar Kiddush, velo ifligu rabanan ben mekadesh arivta le mekadesh achamra. Et les Chachamim n'ont pas fait de différence entre celui qui fait kiddush sur du pain ou celui qui fait kiddush sur du vin. Midelo kameader le ravitzrak bar shmuel midé, puisque tu vois que celui qui a parlé, on lui a rien dit après. Umiyu, hein, maintenant. Maintenant, le Rashbam lui va dire comment on fait les khatrila. Umiyu le khatrila, mosgim. On sert le verre de vin. Vacharkar notlim yadaim. Et après, on fait netilat yadaim kebet ilel bemaseret brachot. Umiderav shaminan shemekalshim à la pâte. Rav, il nous donne un kiddush, c'est qu'on aura le droit de faire le kiddush sur du pain. Veomer vayachulu, et il dit vayachulu akol, il dit exactement, sauf qu'il ne faut pas qu'il dise agefen, il dira bore amotsi lechem min haaretz, et umevarech amotsi, veeno ochel. Attention, il ne mange pas encore. Ken? Gam lo yifros, ad she ikadesh acharechen. N'y romps pas le pain tant que
Il n'a pas fini le kiddush. Vedafka kiddush. Attention, ça c'était une permission pour kiddush. Aval avdala ena ela la kos shel yain. Non. La avdala, elle est que sur le vin, qui est d'Amrinam, dans d'Aflamed Gimel. Oui. Et shiru kavu à la kos. Ou mi shen lo kos yain, bimkom shiragilim lishtot yain. Al yavdil à la pâte. Et celui qui a l'habitude de faire sur le vin, il fait pas la avdala sur le pain. Vedailo be avdala, beavdala tfila be sidur avamram. Et dans le sidour du Rav Amram, il est marqué, bon, celui-là, il fait l'Avdala que dans la prière, il ne le fait pas. Maintenant, il y a le Sefer Achinour. Oui, Sefer Achinour, il donne un ta'am extra. Il donne un ta'am, il dit, pourquoi les Rachamim, ils n'ont pas fait l'Avdala sur le pain? Alors, on voit que dans le Kiddush, à l'entrée de Shabbat, le pain, il peut remplacer le vin allègrement. Et pourquoi maintenant pas dans l'Avdala? Alors, le Achinour, il donne une raison extra. Il dit, parce que Hachem et les Rachamim, ils connaissent la nature de l'homme. On ne peut pas demander à quelqu'un, Motsaï Shabbat, de manger du pain, il ne peut pas. C'est kaved, quoi. Juste après Motsaï Shabbat, après la Seudat Shishit, encore manger du pain, il ne peut pas. Tandis que dans le Shabbat, quand il rentre, il a l'appétit. Alors, on continue. Baemine Rav Hana Bar Hinana Mirav Uda. Ta'am, Maush Yavdil. Alors, ce qu'on a vu déjà. Il a dit, dis-moi, s'il a quand même mangé, il a oublié, il a mangé volontairement, involontairement, est-ce qu'il doit quand même faire l'avdala? Amarle, ani omer ta'am mavdil. Alors sache que j'enseigne ta'am mavdil. Veravasi amar ta'am eno mavdil. Oui, mais Ravasi, lui, il a enseigné pas comme ça. Il a dit que s'il a goûté, ça y est, il peut plus faire l'avdala. Raviremi abaraba ikla lebe Ravasi. Alors, il s'est retrouvé chez Ravasi. Oui. Ishtale vetaim mide. Alors, ishtale vetaim mide, c'est-à-dire, ishtale Rabbi Remia, et il a goûté quelque chose, il a mangé. Havule kassa ve avdil, on lui a porté le verre, il a fait la avdala. Amrale debiteu, et sa femme, elle lui dit, ve amar lo avidachi, il dit, mais pourtant, toi, tu fais pas comme ça. Amar la shavke, krabes virale nachon, mais ne te fâche pas avec lui, il fait comme son maître. Amar av Yosef amar Shmuel, ta'am enom ekadesh, il a goûté, il peut plus faire le kiddush, ta'am enom avdil, veraba amar av Nachman amar Shmuel, non, ta'am mekadesh ve ta'am mavdil. Le dernier petit rashbam de ce passage-là. Et ici, imachal, lo yagdi, lo yikadesh, kol alayla, et là, les machar kodem seuda. Un, ils pensent que le kiddush et l'avdala, c'est pour ceux qui n'ont pas mangé. S'ils ont mangé, il n'y a pas de ta'am de faire. Ani omer ta'am mavdil, va falgav de legabe kiddush amina, ta'am eno mekadesh. C'est vrai que par rapport à kiddush, je suis d'accord. J'ai dit, s'il a goûté, il n'a pas le droit de faire kiddush. Aval be avdala, en la armir kolkar, mais dans l'avdala, il ne faut pas trop être sévère. Ishtale raviremia, amrale debiteyu de ravasi. Qu'est-ce que ça veut dire ishtale, ce mot? Qu'est-ce que c'est ce mot, ishtalé? Qu'est-ce que ça veut dire le mot ishtalé? C'est-à-dire, tu regardes, ouais, s'incline avant la fin de la Gemara 2, 4, 6, ishtalé, ken? Qu'est-ce que c'était l'histoire? Rav Yeremia Baraba, Ikla lebe Ravasi. Il s'est retrouvé chez Ravasi. Oui, ishtale vetaim mide. Il a oublié et il a mangé. Ça veut dire qu'il a mangé avant l'avdala, sans faire attention. Avoule kassa, veivdil, et on lui a amené le kos. Il a fait avdala. Maintenant, la femme du maître, elle dit, bah, veamar lo avidachi, mais toi, mon mari, tu fais pas comme ça. Alors, il lui a dit, laisse-le. Shavke, laisse-le. Ke rabe svirale, il tient comme son maître. Oui, alors Rashbam nous dit Amrale debiteu, de Ravasi, Vamar lo avidachi, d'Amar Ravasi, ta'am eno mavdil. Lui, il connaissait la halakha de son mari. S'il a déjà mangé, il ne peut plus faire Avdala. Amrale Ravasi, Shavke, Kerabe Svirale, il tient comme son maître. Desvirale Kerav, Veravumna, Mishme de Rav, et Aya Omer, Vechen Piresh Rashi, Chazak. Voilà, alors on met un point ici.